Could you tell us something about the history of the domain? Oui, alors le domaine Barmès-Bucher a été créé en 1985 par en fait le mariage de mes parents Geneviève et François. Donc François Barmès, dont son grand-père était déjà producteur, et Geneviève Barmès, qui habitait juste en face du domaine, dont ses parents étaient également producteurs. Et donc, par le mariage, ils ont uni les deux domaines, donc Barmès et Bucher, pour créer le domaine Barmès-Bucher en 1985. Voilà, et c'est ce qu'il a fait en 1998, et aujourd'hui nous continuons voilà, avec passion et sans regret. Voilà. C'est une grande différence pour le travail dans les vignes que vous avec le oui, oui, il y a beaucoup plus de travail manuel. Je dirais, on a dû augmenter aussi notre masse salariale, beaucoup plus. Plus d'employés, hein. Oui. Beaucoup plus de travail en verre. Oui, le travail est plus important, c'est sûr, mais le résultat après est là et c'est le principal. Alors, nous produisons les 7 cépages alsaciens. Hein. Mais si vous voulez, l'Alsace est une région quand même qui a cette caractéristique-là, c'est-à-dire que son vignoble est très très morcelé. Donc par exemple, nous avons 16 hectares de vignes, mais répartis sur 70 parcelles. 70 ? Voilà, 70. Voilà. C'est beaucoup ? Oui, c'est beaucoup. Répartis sur 5 communes, ouais. Vettelsheim, Eggisheim, Winsenheim, Turkheim et Colmar. Mm-hmm. Donc c'est très très morcelé. Et ça, dès le départ, mon père a voulu mettre en avant la richesse de nos terroirs. En Alsace, nous avons une diversité géologique qui est exceptionnelle. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il a tout de suite voulu faire des vins de terroir et différencier ses cuvées en fonction de la nature du sol. C'est-à-dire que, par exemple, pour un même cépage Riesling, nous allons avoir 6 Riesling différents parce que 6 terroirs différents, Rosenberg, Leimental, Clausand, Herrenweg, Grand Cru Hengst, Grand Cru Steingrubler, voilà. Donc, sur 7 cépages, nous, on vinifie à chaque fois, en fonction de nos terroirs, une cuvée à part. Et donc, on produit à peu près 20 à 25 vins différents par année, par millésime. C'est un travail qui est très conséquent, mais on valorise notre terroir et on fait exprimer notre terroir. Oui. Voilà. Le Sylvaner Rosenberg Vieille Vigne 2011. Alors, c'est un vin, comment dire, le Sylvaner, c'est un produit qui est assez rare chez nous. Nous en produisons très très peu. On a juste une très petite parcelle. Ce sont nos plus vieux pieds du domaine. Ils ont 75 ans, les pieds de vigne, 75 ans. Donc voilà, ce sont maintenant des pieds qui sont arrivés à maturité et voilà, qui apportent une très très belle expression dans...